اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماه بينهم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. صدق الله العلي العظيم. Sama waxtaan tey dama ko nar def ci kàllaamay français ndax dama ci am ndigal, kon maa ngi jéggalu ci ñi nga xam ni xaj na duñu ko dégg bu baax. Mes chers frères et sœurs, en cette occasion, en ce jour, en cette nuit bénie où nous célébrons la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa sainte famille, qui est le sceau des prophètes et la meilleure des créatures, j'ai choisi de parler sur un thème qui est extrêmement important, puisque c'est un thème qui parle de la personnalité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Depuis le début de l'islam, notre religion a été infiltrée par des personnes malveillantes qui ont œuvré jour et nuit pour dénaturer cette religion. Comme Dieu nous le dit très clairement dans le Coran, lorsqu'il révéla à notre prophète le verset 60 de la sourate Al-Isra. Il dit: et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous te l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Dans ce verset, Dieu informe notre prophète concernant une vision qu'il a eue. Lorsqu'il vit les Bani Umayya, c'est-à-dire les Omeyyades, en train de sauter sur son minbar, c'est-à-dire le lieu où il s'asseyait pour faire son prêche. Il les a vus sauter comme des singes sur son minbar. Ceux-là, Dieu nous apprend qu'ils sont une épreuve pour nous et que Dieu a fait cette épreuve-là pour cerner les gens. Et il les a appelés l'arbre maudit, Shajaratul Mal'un. Ceux-là ont œuvré pour dénaturer notre prophète, c'est-à-dire l'image que nous avons de notre prophète. Nous ne pouvons pas parler ici de tout ce qui a été fait dans ce sens, mais nous allons prendre juste 6 points pour vous l'expliquer, étant donné que le temps ne nous permet pas d'aller trop loin. La première, ça concerne les ancêtres de notre prophète. Dans le Sahih Muslim, qui est un des livres de référence de hadith, en particulier pour nos frères de Ahlul Sunnah,
il y a un hadith ou deux hadiths, l'un qui a été rapporté par Anas ibn Malik et l'autre par Abu Huraira, qui dit que un jour quelqu'un est venu voir le prophète et lui a demandé où sont mes parents. Et le prophète lui a répondu, sec, ils sont en enfer. Alors cette personne déçue s'en est retournée et le prophète l'a rappelé. Et il lui a dit que tes parents et mes parents sont en enfer. Donc d'après ce hadith, le père et la mère de notre prophète, et que Dieu nous en préserve, seraient dans l'enfer. Je me souviendrai toujours de ce jour lorsque, dans une fameuse émission radio, ici au Sénégal, c'était la radio Wal Fajri, il y avait une émission intitulée « Dîner avec Diamono ». Quelqu'un est intervenu pendant l'émission en présence de nombreux professeurs d'islam qui étaient présents dans le plateau. Il est intervenu pour dire que la maman de notre prophète était en enfer. Et quand il a dit cela, je n'ai constaté aucune réaction. Ça paraissait comme normal pour tout le monde. Parce que ces gens-là s'imaginent que les ancêtres, les parents d'un prophète peuvent être des mécréants. Et ça, ce sont les Bani Umayya qui l'ont inoculé dans cette religion. Et ça a fait des ravages jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'ils ont inoculé ces enseignements-là dans l'islam. Qu'est-ce que nous dit le Saint-Coran et qu'est-ce que nous dit les imams de la famille du prophète concernant cela? Les imams de la famille du prophète nous ont enseigné que les parents de notre prophète étaient les meilleures créatures de Dieu sur terre. Son père et sa maman et tous ses ancêtres jusqu'à Adam étaient les meilleures des créatures de Dieu sur la terre. C'étaient les meilleurs des serviteurs et des saints agréés par notre Seigneur. Et Dieu nous dit dans le Coran, d'abord la première chose que les gens ont apporté comme preuve pour montrer que les parents du prophète n'étaient pas tous des croyants, ils te disent que notre prophète est un descendant d'Ibrahim alayhi salam et le père d'Ibrahim est mentionné dans le Coran comme étant un adorateur d'idoles. Ce que ceux-là ne savent pas, c'est que l'expression de père dans le Saint-Coran ne signifie pas forcément celui qui est le géniteur, c'est-à-dire celui qui est le père biologique, mais que l'oncle, le frère de ton père ou de ta mère s'appelle également père. La preuve, c'est dans la sourate Al-Baqarah, le verset 133. Am kuntum shuhada iza hadara Yaqub al-maut. Iz hadara Yaqub al-maut. Iz qala لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Est-ce que tu étais témoin lorsque la mort est arrivée à Yaqub, lorsqu'il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous adorerez, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Et ils lui répondirent, nous adorerons ton Seigneur et ceux de tes pères, Ibrahim et Ismaïl et Ishaq. On sait très bien que Yaqub était le fils de Ishaq. Donc Ismaïl n'était pas son père direct, mais c'était son oncle. Mais Dieu l'a appelé dans ce verset le père de Yaqub. De la même manière, Hazar,
était l'oncle d'Ibrahim. C'était le frère à un de ses parents et qu'il avait élevé, puisque son père est décédé alors qu'il était encore jeune, et c'est Hazar qui l'a élevé. C'est pourquoi on l'appelle père dans ce verset. Mais le père d'Ibrahim s'appelait Tarek, il ne s'appelait pas Hazar. Aucun des ancêtres de notre prophète n'était adorateur d'idoles et encore moins un mécréant. Dans un autre verset de la sourate Shu'ara, c'est le verset 117 et le verset 117 à 119, Dieu dit ceci: « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ » Il dit: « Place ta confiance en Dieu qui est le puissant, le miséricordieux. Celui qui te voit quand tu te lèves et te prosterne avec ceux qui se prosternent. » Ça veut dire que tu passes d'un prosternateur vers un autre prosternateur. Dans ce verset, Dieu il parle des ascendants du prophète lorsque sa lumière passait de l'un vers l'autre, c'est-à-dire des reins d'un homme qui se prosterne dans la matrice d'une femme qui se prosterne, et ainsi de suite jusqu'à ce que le prophète naisse dans notre monde, pour montrer que les ancêtres du prophète étaient tous des adorateurs du Dieu unique. Le deuxième point, ce sont les circonstances de la révélation du Saint-Coran. Vous avez tous entendu les prêcheurs ou lu dans les livres que lorsque notre prophète a reçu la première révélation du Saint-Coran, alors qu'il était en retraite dans la grotte de Hira, il fut surpris de voir l'ange, à un tel point que le prophète, pris de panique et de peur, a d'abord tenté de se suicider avant de se réfugier chez son épouse Khadija pour lui demander de l'aide, et il ignorait ce qui lui est arrivé. Et il a fallu que Khadija aille consulter son cousin Waraqa ibn Nawfal, un chrétien, pour qu'il puisse informer le prophète de quoi il s'agit. Voilà l'idée que ces gens-là se font de la révélation du Saint-Coran, parce qu'ils n'ont pas compris la nature de la révélation du Saint-Coran. Parce que ces gens-là s'imaginent que la venue de Djibril est une chose qui se passe uniquement sur le plan matériel. On n'a pas le temps ici d'entrer dans les détails, ni d'expliquer en profondeur de quoi il s'agit. Mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que la révélation du Saint-Coran. C'est la même manière, par exemple, si quelqu'un te parlait, par exemple, de la bombe atomique. Tu n'as pas les connaissances pour comprendre comment ça se fabrique. Mais si on t'explique tout le processus, même si tu ne comprends rien, tu auras une idée pour savoir que ce n'est pas une mince affaire, que c'est extrêmement complexe. De la même manière, si on parle de la révélation, ça va vous donner un peu une idée. Lorsque Dieu révèle le Coran à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui effectue d'abord une ascension qu'on appelle Mi'raj. Dans cette ascension, le Coran se révèle à lui sur 7 niveaux, 7 degrés. Le Coran descend dans chaque degré et se révèle au prophète à ce degré-là. Le premier degré dans lequel le Coran se révèle à notre prophète, on l'appelle la station de la présence de la connaissance, Hadratul Ilmiya. C'est-à-dire, le Coran se révèle d'abord dans la connaissance de Dieu. Ensuite, il descend à un autre niveau pour se révéler
dans la détermination immuable de notre prophète, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a de notre prophète. Ce n'est pas grave si ce que je dis là semble compliqué, mais ça vous donne juste une idée, c'est quoi la révélation du Coran. Le troisième niveau, ça s'appelle Hadratul Aqlam, c'est-à-dire au niveau, les Aqlam, ce sont les plumes qui écrivent le Coran. Le quatrième niveau, c'est le degré, ce qu'on appelle Hadrat Al-Alwah, c'est-à-dire le degré des Alwah, c'est-à-dire des tablettes sur lesquelles on écrit les versets du Saint-Coran. Et les Aqlam et les Alwah, ce sont tous des anges, ce sont des Malaïka. Ensuite, le Coran descend au degré du monde imaginal. Ensuite, le Coran descend dans la faculté du sens commun de notre prophète. Ensuite, le Coran descend en dernier lieu sous la forme de notre monde matériel, où il prend la forme de ce que nos sens peuvent percevoir. Ce sont les sept niveaux de descente du Saint-Coran. Ou alors peut-on imaginer que le prophète a vu quelque chose, il ne sait pas de quoi il s'agit, et qu'un dialogue s'installe entre Djibril et le prophète pour lui dire « lis ». Et le prophète lui répond « je ne sais pas lire ». Ceux qui ont inventé cette histoire, les versets du Saint-Coran, ce ne sont pas des dialogues entre Djibril et le prophète. Les versets du Saint-Coran, ce sont des paroles de Dieu qui sont descendues sur le prophète. Ce n'est pas Djibril qui s'adresse à un prophète en lui disant « lis ». Mais c'est Dieu qui s'adresse à notre prophète en lui disant « Bismillahirrahmanirrahim, iqra ». Voilà comment ils ont dénaturé la révélation du Saint-Coran et ont présenté notre prophète d'une manière inédite, parce qu'aucun des prophètes n'a été présenté de cette façon-là. Et cette histoire-là continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens continuent à la raconter matin et soir. Le troisième point, ils ont dit que notre prophète a reçu des versets sataniques. Les versets sataniques sur lesquels s'est appuyé Salman Rushdie pour écrire son livre. Ils disent que Satan est intervenu et le prophète a entendu. Il ne savait pas distinguer ce qui venait de Djibril et ce qui venait de Satan. Tout ça, c'est le résultat de cette dénaturation. Ils ont dit aussi que notre prophète, quand il était enfant, Dieu lui a ouvert la poitrine par l'intermédiaire de l'ange pour en enlever ce qui était sale dans sa poitrine. Parce qu'ils ont dit que le verset en question, Alam Nashrah Laka Sadrak, fait référence à cet événement. À cela, je dirais, qu'est-ce que vous pensez de ce que Dieu a dit concernant Moussa, qu'il demandait à Dieu en lui disant Rabbi Shrahli Sadri? Vous pensez que Moussa a demandé à Dieu de lui ouvrir sa poitrine pour enlever ce qui était à l'intérieur? Pourquoi Dieu n'a pas ouvert la poitrine de Isa ou de Ibrahim ou de Noé pour voir ce qui était à l'intérieur et le nettoyer? Pourquoi le meilleur des créatures et le meilleur des prophètes aurait besoin qu'on lui nettoie sa poitrine? Tout ça, ce sont des histoires qu'ils ont inventées. Concernant le décès du prophète, ils ont dit que le prophète est mort et enterré 3 jours après et que son corps avait été laissé là-bas en rade dans la chambre et il a été enterré 3 jours après. Mais je vais vous dire une chose. L'enterrement et le lavage du prophète n'incombait à personne dans la Ummah de notre prophète, à l'exception de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. C'est le seul qui avait la responsabilité de laver et d'enterrer le prophète. Ça ne concernait pas les autres. Et le prophète l'a clarifié dès le début de sa mission, lorsqu'il a reçu la famille et qu'il les a appelés à l'islam. Lorsque l'imam Ali est né, c'est le prophète qui le premier l'a lavé et a prédit que c'est cet enfant qui va me laver quand je vais mourir. Le prophète n'avait jamais demandé à ses compagnons de le laver. Il n'a demandé à personne de le laver parce qu'il leur a dit que vous ne pouvez pas me laver, parce que vous ne pouvez pas me voir. Il leur a dit que ce n'est pas à vous de m'enterrer. C'est l'imam Ali qui a lavé le prophète et qui l'a enterré. Pourquoi il va attendre 3 jours? Ou bien il lui faut 3 jours pour laver le prophète et l'enterrer? L'imam Ali nous a informé que lorsqu'il lavait le prophète, il était assisté par les anges. Et il entendait les murmures des anges qui priaient sur le prophète. Un groupe d'anges descendait et un autre remontait. Et il nous a raconté comment ça s'est passé. Il dit, jusqu'à ce que je l'enterre,
j'entendais le murmure des anges, les murmures des anges. Donc que ça soit clair, lorsque le prophète est décédé, il n'est pas resté 3 jours. C'est l'imam Ali qui l'a lavé, qui a prié sur lui et qui l'a enterré. Successivement, sans interruption. Maintenant, la plupart des gens qui étaient allés à Saqifa pour décider de qui devait être le calife, ils n'étaient pas présents lorsqu'on l'a enterré. Donc l'histoire a été changée ainsi. Le troisième et dernier point sur lequel je vais parler, c'est la succession du prophète. Ils disent que le prophète n'a pas désigné de successeur après lui. Ça aussi, c'est blasphématoire vis-à-vis de notre prophète. Un prophète qui, même s'il envoyait des gens pour faire une mission, désignait toujours un chef. Et les gens disent qu'il est parti en laissant sa communauté sans un guide, sans un berger pour les guider. Voilà des points, je suis passé dessus rapidement, mais je recommande à tout le monde, et en particulier aux jeunes de notre communauté, de s'imprégner de la biographie, de la vie de notre prophète, d'aller à la source de cet enseignement, qui sont les Ahlul Bayt, et qui sont les seuls qui ont préservé la vraie image de notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, j'invite les gens à se rapprocher de notre communauté Muzdahir et de notre guide Cherif Mohammed Ali Haïdara, qui lui-même est une manifestation de ses qualités et de cet enseignement-là. Et je suis fier de dire qu'aujourd'hui, ceux qui suivent la famille du prophète sont ont devancé tout le monde dans le respect de notre prophète et dans l'élévation de son image et dans la préservation de la vraie nature de son enseignement. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Que Dieu nous donne longue vie à tous et une bonne santé et qu'il nous guide dans la voie de la vérité et qu'il nous incite à rechercher la connaissance et à comprendre afin de sortir de ces pièges et de toutes ces infiltrations qui ont dénaturé profondément l'enseignement authentique de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.